J'ai déjà rencontré l'équipe de Gérone, support, donc à Paris lors des assises nationales. Non, pas des assises nationales. Il y a eu un colloque organisé sur la responsabilité, sur l'éthique. Il me semble que c'était ces thèmes-là, et parce que j'assiste régulièrement à des colloques ou à des formations. Et ils y étaient. Donc ils sont intervenus pour présenter leur projet. Voilà, sur l'amélioration de la qualité, sur la responsabilité. Voilà. Donc je connaissais un petit peu ce qui m'intéresse là. Je peux le dire comme ça, en tout cas, voilà. C'est un, le fait d'échanger avec d'autres pays, bien entendu, sur les modalités d'accompagnement des personnes qui ont besoin d'être soutenues, on va dire, pour être le plus autonome possible. Voilà, je le schématise comme ça. Je le résume comme ça, on va dire, pas schématise. La surprise là. Des bonnes, toujours des bonnes surprises, mais certaines qui me permettent comment dire, de me rassurer aussi sur nos pratiques, parce que c'est ça aussi, aller se confronter à celles des autres, c'est voir ce qu'on fait de bien, ce qu'on peut améliorer, se rassurer un peu, parce qu'on a tendance à toujours voir mieux ailleurs, à se dire franchement, on est. Et puis non, finalement, il y a des choses qu'on ne fait pas trop mal, je suis contente. Et alors je note, je note, je note. Il y a beaucoup de choses à apprendre, en tout cas, sur des travaux qu'on pourra mener. Voilà. Ce que je. En deux phrases peut-être, hein, il me semble ce que je vous disais par rapport à la Catalogne et à l'Espagne, donc je crois comprendre qu'en Catalogne il y a quand même un accompagnement particulier, une vision particulière qui est un petit peu différente par rapport au reste de l'Espagne. C'est aussi peut-être, il y a peut-être une conscience d'une communauté qui fait qu'il y a une prise en compte par rapport aux personnes handicapées, personnes en situation de handicap, qui est un petit peu différente, parce qu'il me semble qu'ils avancent beaucoup plus rapidement que le reste que l'Espagne, en tout cas. Voilà. Il me semble qu'il y a un passé institutionnel beaucoup plus lourd, en tout cas ces dernières années, que de l'a pu être peut-être en France. Je compare avec ce que je connais chez nous en France. Où nous, on a une loi en 2002 qui a, suite à des situations de maltraitance envers des personnes âgées en institution, envers des enfants en institution, a quand même demandé une personnalisation de l'accompagnement, de la prise en compte des choix personnels, des souhaits de la personne, l'autonomisation, etc. Donc il me semble qu'on a commencé ce travail avant. Par contre, dans ce qui est à prendre ici, c'est qu'il y a eu un travail. Ils avancent très très vite, hein, sur une coordination des différents services, de tout ce qui peut être mis en place avec les personnes qui ont besoin d'aide et de support pour être autonomes et intégrés au maximum dans la vie quotidienne. Donc il y a un travail énorme, je sens. Alors cet esprit communautaire, je pense, ou régionaliste, ou d'indépendance aussi, enfin, moi je lis tout ça, hein. On sent qu'il y a quelque chose, une volonté politique et une volonté aussi individuelle de se soutenir les uns les autres, pour tous pouvoir vivre ensemble dans une communauté. Donc ça, c'est très très fort. Ils ont un important travail de communication, je suis très étonnée. Ça, on ne le fait pas, nous. On va travailler sur l'aide à l'autonomie de la personne en situation de handicap, mais auprès d'elle-même. On a des grosses lacunes, je pense, au niveau du travail collectif à faire, hein, et y compris au niveau du travail dans la société, pour aller justement les faire accepter, ces personnes, et les faire intégrer, que les gens les accueillent, non pas les acceptent, mais les accueillent, hein, et les prennent en compte pour. Voilà. Et ça, on a ce travail à faire. Voilà. Ce que je remarque surtout là, c'est ce travail de communication important et de bond en avant. Très important dans la mise en comment dire, la mise en musique des différentes associations.